Hello, vous m'avez avec une résolution un peu plus faible que d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va partir dans l'amour, dans la séduction. Minou, 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 amenez-vous les mordus de la chatte. Dans Super Séduceur 2, vous voyez un peu le truc. J'ai pas encore tenté le jeu, j'avais vu à l'époque Joueur du Grenier le faire, et ça m'a donné envie de le faire. Déjà à l'époque, et j'ai attendu un peu, histoire que, vu que je me souviens plus tellement de ce qu'il a fait. Alors on y va, mode histoire, la bombe BCBG versus la mannequin, allez, c'est parti. Donc, zéro, hein, explorer 0%, j'y vais vraiment vanilla. Elle vient de descendre d'un yacht, mais cette mannequin est bien trop sexy, à toi de choisir. Ah oui, d'accord, but 1, numéro du sexe où tu t'es ennemis. Quoi? Un numéro, ah oui, un numéro, d'accord, soit tu chopes un numéro, soit t'as du sexe, mais du sexe, ou tu tues tes ennemis, d'accord, voilà. J'ai enlevé le son du jeu par contre, non. Voilà, on y va, forêt, voilà, je remets le son du jeu, ah, la nature, la végétation, et on va niquer, et un tank, j'avais oublié ce détail. Un bon gros tank, parce qu'on est des hommes, oui. Le bon gros tank, moi j'ai un tank, ouais ouais, moi j'ai... Enfin. Hey, Arthur, j'ai faim mec, allons, restaurant. Tu vois, il a même un chauffeur de tank. Parce que j'ai un gros pénis, voilà. Tu sens la volonté de compenser le mec, quoi, avec un pénis. Extrême. Oh, yeah. Enfin, we fucked up the grass again, dude. Arthur, on a encore défoncé l'herbe, mec. Ça s'annonce mal. Hop là. Oh, ce petit saut carpé. Madame de la pistoufle et l'autre qui se renverse son café de façon totalement... Oh, les lunettes. Oh, oui. Madame, on déguste ses sushis de façon la plus érotisante possible. Il arrive en petite chemise. C'est le séducteur incroyable. Et l'autre fait tomber son jus d'orange et son café. Mais quel serveur de merde. Oh là, tout le monde le regarde avec envie. Parce qu'il a un tank, un vrai. Voilà. Même elle qui débarque de son yacht. Elle... Ah... Oh, ce petit haussement d'œil était tout à fait sublime. Je la poutrerais bien. Voilà. Elle branle le mât. Oh yeah. Tête de pervers quand même. Oh là là. Oh, Micheline, elle en veut aussi. Oh, le séducteur incroyable. Oh. Voilà, elle s'est installée à table, mais qu'allons-nous faire? Ah voilà, comment l'approcher? A, utiliser le déclencheur de conversation génial conseillé par un youtubeur. Ok. B, ne pas t'approcher d'elle du tout. C, contempler ses yeux tout en agitant le doigt comme si c'était un pénis. Tu l'as vu mon doigt? Lui dire qu'elle a attiré ton attention et que tu veux lui parler quelques minutes, ou attirer son attention sans lui parler. Eh bien, je vais contempler ses yeux tout en agitant le doigt comme si c'était un pénis. Oh oui. Oh, je vais contempler tes yeux, Bernadette. Allez, on y va. Oh putain. Ok. Le pénis. Oh, tu l'as vu, tu l'as vu. Je crois qu'elle aime pas le pénis. Ok. Elle a pas vu. Sécurité. Sécurité. Il y a un homme qui agite un doigt. Sécurité. Sécurité. Oh, yeah, man. You did it. You chose the very first red. Tout premier option rouge dans le jeu. Congratulations. Félicitations. Crétin, c'est évident qu'il faut pas passer ton petit doigt dans ta baguette et l'agiter comme si c'était une bite. J'utilise le déclencheur de conversation génial conseillé par un youtubeur. Ok, il peut aborder une jeune fille dans un centre commercial et salut, je ne sais pas.
C'est ça le conseil de merde? Tu ne peux pas rester détendu, les mecs. Ok. What are you doing? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, il se casse. Oh merde! Il est moins de revenir. Ah! Deuxième option. J'étais sûr que ça allait marcher. Oh, j'étais persuadé que c'était un conseil ici. Légendaire, tu vois. Je pensais que ça marcherait. Lol. Eh, mais non. Bah, de bafouiller comme un con, en général, ça... Bon. Attirer son attention sans lui parler, ne pas t'approcher d'elle du tout, ou lui dire qu'elle a attiré ton attention et que tu veux lui parler quelques minutes. Ouais, je pense que c'est une bonne option. Allez, lui dire qu'elle a attiré mon attention et que je veux lui parler quelques minutes. Ah. Allez, vas-y, Jean-Paul! Mets 8! Bref. Hey, how are you doing? Salut, comment ça va? Very good. Ça va bien et toi? Tant mieux. Oh, very, very well. Listen, t'es assis là-bas, t'es vu. Il lui a envie de te dire bonjour. Comme ça, je te dis bonjour. Hello. Bonjour. Ben voilà, hein, c'est tout con. Hein, une façon très directe de commencer. Je pense que dans cette situation, c'est assez cool. Lorsque tu abordes une femme devant ses amis ou dans un lieu public, elle remarquera au moins que tu as beaucoup de confiance en toi, que tu es capable d'aller vers elle. Pas le temps de dire désolé. Bah. Moi, c'est Richard. Je m'appelle Lot. Ah, Lot, Charlotte. Non, c'est culotte, connard. Enchanté, de même. Vous pouvez passer commande. Haha. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt? Vous voulez pas un whisky d'abord? La serveuse arrive pour tout casser! Qu'est-ce qu'on va faire? Lui demander de 1. De ne pas te déranger au milieu d'une conversation importante. B. Dire hé hey, bébé, comme d'habitude, s'il te plaît. C. Commander un thé, une part de gâteau, un shot pour assurer quelque chose pour elle. D. Il n'y a rien de bien sur ce menu, retournons chez moi. Oh! Commander un thé, une part de gâteau et quelque chose pour elle, mais c'est la même chose que la réponse. Ah non, il manque le shot. Ah ah, c'est pas exactement la même chose. F, je prends une part de gâteau et la jeune fille prendra ma bite. Et la jeune fille, elle prendra ma bite. Ok, on va prendre ça. Of the cherry cake. Pardon, il y a toi, et la dame va goûter ma bite. She's gonna be eating my dick. Are you cherry cake? Y a toi, la cerise. Sérieux, espèce de pervers. You don't like dicks, but I definitely don't like your dick. I really, really don't. Can you just get off? No, I really don't want to see your dick. Can you get off my table? Yeah, yeah. Just go. Yeah, yeah. Casse-toi, allez, allez, va-t'en. Shoot. Ouse, ouse. Get away, pervert. Allez, dégage, pervert. Come on, off, off. Sécurité. Encore. Sécurité. Bon. This is just horrendous. Et tu fais boxer. Order also. Une commande un peu étrange, c'est pas bon? Non, pas vraiment bon. Voilà, bon, allez. Je ferais bien le truc, il n'y a rien de bien sur ce menu, retournons chez moi. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Oui. Pourquoi pas? Oh, on va faire ça. C'est un peu direct, mais... Je vais tenter. Je suis vite. Ah, you know what, this menu is fucking shit, man. Let's go back to my house. Allons chez moi. Got nice food. J'ai de bon truc. Yeah? Richard. Yeah? Yes? I've got an even better idea. Une meilleure idée. Okay. Well, you can doubt what you want, because that's the kind of thing you do, isn't it? Well, yeah. Doubt. Put people down. Mm-hmm. How about I go back to my house, you with twat? Me. Oh, elle a pas aimé. Attends, mais c'est rien, c'est juste un petit coup de bite. Je pensais que ça aurait été un peu un geste un peu plus plein d'assurance, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est un peu tout. Commande un thé, une part de gâteau, un shot et quelque chose. Et pas de ça. Ok. Elle va prendre le cheesecake. Ok. Délicieux thé, s'il vous plaît. Le gâteau à la bite. Non, à la cerise. Thé noir anglais et un shot de vodka. A shot of vodka, please. Thanks. Bon, ça. So the daytime vodka shots. Les shots de vodka en journée. No, not cool. Pas cool. What would you think if I ordered vodka
Vodka pour avoir un rendez-vous. Bon. Alors qu'on boitait à midi, ben après-midi comme les autres. Bon, ça va, un petit shot de vodka. Tu vas parler à une gonzesse. Ah, c'est Mahmoud, il appelle. Mahmoud. Allez, Mahmoud, t'aime les fesses, Mahmoud. Il y aura une mettre le téléphone ou silencieux ou appeler Mahmoud. Eh bien, je vais quand même l'ignorer, mettre le téléphone en silence. L'idée, c'est juste quelqu'un, voilà, je vais mettre en silencieux. Voilà, il n'a pas son téléphone quand il parle à quelqu'un. En même temps, les filles, les mecs, si vous allez à un rencard, éteignez votre putain de téléphone, c'est super chiant. Voilà. Très estimable, mais aussi très original, t'es un style bien à toi. Merci, c'est très joli. Enfin, non, c'est moche, mais bon. C'est vrai, c'est très moche. Alors, il parlait des significations des bagues selon mon doigt où elles sont portées. En plus, j'ai des bagues. Hein. Je fais des merveilles au lit. Je travaille pour une entreprise pharmaceutique et je fais des vidéos YouTube. Ah, c'est la vérité dans son cas, ok. Je baise. Brutalement. Faire une blague, puis avouer la vérité, je suis un mumble rappeur. Je suis responsable marketing et je fais des vidéos YouTube, mais j'adore la poésie. Je gagne suffisamment pour te donner 500 euros, là, tout de suite, pour que tu rentres avec moi. Lol. Eh bien, je pense qu'on va se laisser ça pour une autre fois. Voilà. Hein. Pas trop au début, hein. Histoire de vous mettre dans le bain, un peu, voilà. Parce qu'on a un tank. Allez, c'était Shodan, The Faux Fond d'Inde.